qu'en étant soumis à lui. Allah tabaraka wa ta'ala, à lui la louange, à lui la gloire, à lui la grandeur. Il est le plus grand, il est le meilleur. Allah tabaraka wa ta'ala, huwa al-awwal laysa qabluhu shay, wa huwa al-akhir laysa ba'duhu shay, huwa al-awwal bila ibtida, wa huwa al-akhir bila intiha. حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي فوق كل حي حي قيوم لا تأخذه سنة ولا النوم. الله تبارك وتعالى قديم على كل شيء, عليم على كل شيء, خالق كل شيء, مليك كل شيء, غني على كل شيء. الله تبارك وتعالى هو القوي, هو الرحمن, هو الرحيم, هو الملك, هو القدوس, هو السلام, هو المؤمن, هو المهيمن, هو العزيز, هو الجبار, هو المتكبر, هو الخالق, هو البر, هو المصور, هو الغفار, هو القهار, هو الوهاب, هو الرحيم, هو الملك, هو السلام, هو المؤمن, ملك الملك, ذو الجلال والإكرام. الله تبارك وتعالى أمينه. À lui la gloire. Il est le riche au-dessus de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Il est le roi de toutes choses. Riche sur toutes choses. Maître de toutes choses. Puissant sur toutes choses. Il était avant toutes choses. Il est présent et il sera après. Il a créé l'humanité entière. Le début et la fin, ils sont sous son contrôle. Il a créé le jour. Il a créé la nuit. Il a créé les animaux. Il a créé les végétaux. Il a créé Michaël. Israfil, Malik al-Moud, Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé tous les prophètes, tous les messagers, tous les mondes, visibles et invisibles. Le jour et la nuit lui appartient, la vie et la mort lui appartient. Il est le maître de l'univers, à lui la gloire, à lui la louange. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas besoin d'associer, il est unique, il est le puissant sur toutes choses. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné ce jour-là. Ce jour de Eid, ce jour de joie, ce jour de gaieté. C'est un jour où on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous a donné un mois de prière, un mois de lecture du Coran, un mois d'évocation, un mois d'invocation. Ce jour-là, c'est un jour de fête pour 1 milliard 652 millions de musulmans dans le monde entier. Allah tabaraka wa ta'ala nous regarde avec un œil de joie. Et ce jour-là, nous devons être heureux. Heureux parce qu'aujourd'hui, personne de nous doit jeûner. Aujourd'hui, on doit tous rompre, on doit manger, on doit fêter, on doit se visiter entre familles. Mes frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné ce jour. La première chose, c'est de remercier Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir donné ce jour de Eid, parce que c'est un jour, aujourd'hui, c'est une délivrance des péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, pendant ce mois-là, il nous a donné l'occasion de prier. De prier en famille, de prier aussi dans les mosquées à certaines heures, de jeûner, de partager et d'échanger. C'était un mois où beaucoup de mosquées dans le monde entier se sont mis dans l'humanitaire, ont aidé les gens qui tombaient à la précarité, les étudiants, les gens qui étaient pauvres, les voisins, les gens dans les rues. Alhamdoulilah, c'est un mois où le musulman il est plus généreux que les autres mois. Tous mes frères et mes chères sœurs. Ce qui est très important, c'est que la plus-value de ce mois, c'est quoi? C'est que maintenant, Allah, il était avant le ramadan. Allah, il est pendant le ramadan. Et il sera toujours après le ramadan. Le ramadan, c'était qu'un stage, une formation, un entraînement. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes opérationnels. Opérationnels pour jeûner toute l'année. Le lundi, le jeudi, 3 jours par mois. Nous avons lu le Coran pendant ce mois. Nous sommes opérationnels. Nous aimons le Coran, le livre d'Allah. Et maintenant, nous allons continuer à lire le livre d'Allah dans la maison, dans les mosquées. Alhamdoulilah, pendant ce mois-là, nous avons donné aux voisins, aux gens qui étaient dans la difficulté, aux gens pauvres, aux étudiants. De même, nous continuons à donner, à être généreux. Parce que cette communauté, c'est la communauté de la générosité. C'est la communauté de l'amour. C'est la communauté de l'altruisme. C'est la communauté du partage. Pendant ce mois, nous avons invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun de nous, dans sa khalwa, dans son petit coin, il a demandé l'aide, l'assistance à Allah tabaraka, les ouvertures. On a demandé à Allah tabaraka qui nous aide dans ce monde, dans l'au-delà, pour ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont encore présents et nos enfants pour l'avenir. On a fait les doigts. On demande à Allah tabaraka qui a